Bonjour ou bonsoir, ça dépend de là. Vous êtes bienvenue dans mon monde. Mon monde à moi, c'est les savons spirituels. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, si là, je vais vous donner trois astuces. Si vous croisez quelqu'un qui est très avare, ou bien radin, comme on appelle, donc c'est des personnes qui ont l'argent. Je ne vous demande pas de faire une astuce à quelqu'un qui n'a pas d'argent. C'est à quelqu'un qui a de l'argent, mais la personne est avare. Et les gens qui sont avares, n'oubliez pas que si vous ne donnez pas, vous ne recevez pas assez. Le peu que vous avez déjà là, c'est vraiment la nature, vous a vraiment gâté. Mais c'est quand on donne qu'on reçoit. Quand on ne donne pas, on ne reçoit pas assez. Surtout là, ce qu'on voudra avoir, c'est un peu ça. Donc vous devez faire de temps en temps des sarakas. Donc voici une vidéo. Je ne vous demande pas aussi d'aller demander de l'argent, encore une fois, à quelqu'un qui n'a pas d'argent. Non. Et demandez à quelqu'un, demandez la somme que la personne peut aussi vous donner. Ah oui. Demandez la somme que la personne, encore une fois, qui peut vous donner. Il ne faut pas exagérer. Donc, voici trois astuces, soit l'un, soit l'une, soit l'autre. Si maintenant c'est le moment où les musulmans font la fête, donc vous voyez la corde qui est comme ça, là, qu'on attache souvent le mouton avec. Vous allez prendre cette corde-là, vous allez attacher ça sur une pied de votre lit, en faisant vos vœux. C'est très important, en faisant vos vœux. Mais avant de faire cette astuce, vous devez être propre. Donc votre âme doit être propre. Donc avant, faites d'abord une purification des déblocages. C'est très important. Parce que ne faites pas les astuces sans avoir fait une purification, ça ne sert à rien. Sinon, si vous êtes sale, comment ça va marcher? Deuxième astuce, ça c'est avec les gombos. Vous aurez besoin, je n'ai pas tous les ingrédients, hein, mais tout le monde connaît le gombo. Deux gombos, avec, je pense pas, je sais pas si c'est la saison, mais vous pouvez trouver, il y a toujours le gombo ici en Europe. Avec le fil noir, le soir, vous allez prendre le fil noir et deux gombos que vous allez attacher. Donc, dès que la personne rentre, la personne que vous voulez, ça peut être n'importe qui, mais pas n'importe, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça c'est clair. Votre maman, votre papa, vos frères, vos soeurs, votre mari, qui vous savez que c'est quelqu'un qui a de l'argent, mais la personne ne veut pas vous aider à. Parce que vous voulez faire une affaire, il ne faut pas que ce soit l'argent pour aller acheter les vêtements, pour aller acheter ne sais pas quoi, à manger, non. Il faut que ce soit l'argent qui doit. Vous multipliez votre argent, voilà. Vous multipliez l'argent. Donc, un actif, pas un passif. Donc, le passif, c'est quelque chose qui fait sortir de l'argent, mais il faut que ça soit un actif. Donc, pour multiplier l'argent. Voilà. Donc, le soir, vous prenez les deux gombos, vous vous attachez en faisant le vœu, votre vœu, avec le nom de la personne. Dès que la personne vient, prenez prenez ça, mettez ça dans la bouche de la personne le matin, très tôt le matin, enlevez ça, séchez ça. Dès que vous séchez ça, dès que vous rendez ça en poudre. Bon, la troisième astuce, c'est quoi? C'est la feuille qu'on appelle, ou bien l'arbre qu'on appelle Nazareth. Vous aurez besoin de sa racine. De toute façon, je vais arriver avec cette vidéo. Vous aurez besoin de la racine de la feuille qu'on appelle Nazareth. Je vais un peu vous montrer ça. Mais sinon, si vous tapez sur Google Recherche, vous allez voir cette racine. Attendez, je vous montre. Voilà la feuille là. Donc, vous avez vu la feuille qu'on appelle Nazareth. Donc, vous aurez besoin de la racine de ça. Donc, après avoir fait votre purification de déblocage de 3 jours, là où vous allez faire ça, mais ça doit être un dimanche, comme aujourd'hui. Très tôt le matin, vous prenez un peu d'eau dans un seau, vous prenez la racine là, vous mettez ça là-dedans, vous laissez ça là pendant toute la journée. Le soir, vous vous lavez avec en faisant vos vœux pour que la personne vous aide à faire soit un business, soit pas pour acheter des vêtements, ça ne sert à rien, ou bien pour manger, non. Il faut que ce soit quelque chose qui va vous apporter quelque chose aussi pour que la personne soit aussi fière de vous que son argent qu'il vous a donné, ça n'a pas été pour rien. Ça a donné quelque chose, ça a couché d'autres argent. Vous comprenez ce que j'ai dit? Il faut que ça soit ça. Donc, voilà un peu les trois astuces. Donc, n'oubliez pas que moi, je suis membre de l'IEBLE MAL, c'est une crypto-monnaie.
depuis plus de 2 ans maintenant, qu'on appelle le Limoukouin. Allez faire votre propre recherche. Si vous voulez aussi être membre, que vous avez des questions à me poser, ne venez me les poser en privé. N'oubliez pas de liker la vidéo. Likez la vidéo. Partagez la vidéo si vous le souhaitez. Et si vous voulez un savon de déblocage des chances pour les mains percées, si vous voulez un savon pour les enfants qui ne marchent pas, si vous voulez un savon pour le travail, si vous voulez un savon de protection, si vous voulez un collet serré, un savon pour le collet serré, un savon, c'est vraiment naturel, c'est mieux, je vous dis ça tous les jours, d'utiliser les choses qui ne nuisent à personne, c'est très important. Parce que si tu nuis à l'autre, ça veut dire que ça va rentrer un jour sur toi, ça c'est clair. Il y a toujours un retour. Le mal va avec le mal. Le bien va avec le bien. Ça, c'est un peu ça. En tout cas, les deux marchent même souvent ensemble. Donc, n'oubliez pas. Donc, récapitulatif de la suite, vous aurez besoin, à choisir soit l'une, soit l'autre. Soit vous cherchez la corde qu'on vient d'enlever sur le mouton, que vous allez prendre ça et mettre ça et attacher ça sur le pied de votre lit en faisant votre vœu de la personne qui est avare ou bien radin. Soit vous allez prendre le gombo avec le fil noir que vous allez attacher, prendre les deux gombos bien attachés en faisant vos vœux de la personne qui en va parce que vous voulez que la personne vous aide financièrement. Vous allez prendre ça, mettre ça dans sa poche. Le matin, vous allez enlever ça et sécher ça, c'est très important. Avant de faire ça, là, faites d'abord un déblocage. Soit vous allez chercher la feuille qu'on appelle Nazareth, la fleur qu'on appelle Nazareth, sa racine. Ça peut trouver, vous pouvez trouver ça ici en Europe, si je ne me trompe pas. Sa racine, que très tôt le matin, vous allez prendre la racine là et mettre ça dans l'eau. Laissez ça reposer toute la journée, le soir, après avoir pris votre bain, vous vous rincez avec l'eau là. Vous laissez ça sécher sur votre corps en faisant vos vœux. Si vous ne faites pas vos vœux, je ne comprends pas comment l'astuce va marcher. Non, pour dire vrai, je ne vais vraiment pas comprendre comment l'astuce là va marcher. Donc, voilà ma vidéo. Donc, partagez, abonnez-vous, likez la vidéo. Et moi, je vous dis à tantôt. Bye bye.